Bonjour, je m'appelle Brice Lagrange, j'ai 25 ans, je suis plombier chauffagiste à Paris. Le métier de plombier consiste à créer et à réparer des installations sanitaires, des robinetteries, des chauffe-eau, des chaudières, des salles de bain, des cuisines. Partout où il y a de l'eau, il y a un plombier. Quand les gens n'ont plus d'eau chaude ou qu'ils voient de l'eau couler par terre, ils appellent le plombier. J'interviens chez le client, je cherche le problème. Si je peux réparer, je répare immédiatement. Si c'est vraiment trop conséquent comme travaux, je fais un devis. En règle générale, le plombier, on travaille seul, mais suivant les chantiers, il y a quand même une part de travail d'équipe. Ce matin, on pose un ballon d'eau chaude. Il faut être deux pour transporter le ballon, le décrocher, le raccrocher au même endroit. Travailler en équipe, c'est toujours intéressant. On s'entraide. Quand on s'entend bien, c'est vraiment bien. Mes interlocuteurs, ce sont mon chargé d'affaires et mon patron, qui décident de ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Ensuite, j'ai les clients. Avec le client, il faut être courtois, respectueux, bien expliqué, pour qu'il soit vraiment rassuré. Il faut instaurer une base de confiance. Oui, j'ai un rôle de conseil. La nature des matériaux qu'on va utiliser, pour l'environnement, des robinets qui sont économiseurs d'eau, économiseurs d'électricité pour la production d'eau chaude. Créer l'alimentation d'eau, c'est partir du compteur, percer certains murs, poser différents tuyaux, que ce soit du cuivre, du multicouche, faire des brasures. Et aller jusqu'au point où il faut de l'eau, par exemple une cuisine. Pour être plombier, il faut être assidu, ponctuel. Il faut être minutieux. On manipule vraiment des tout petits objets, des petites vis de collier, des petits joints qu'il faut mettre dans des endroits qui sont des fois très difficiles d'accès. Il faut vraiment à l'œil que ça soit joli. Une des contraintes de ce métier, c'est qu'il y a des astreintes qui sont mises en place. Ça représente quelques jours dans le mois. Quand je suis d'astreinte, j'interviens la nuit, le week-end, une fuite ça prévient pas. On a un téléphone de travail avec une application qui nous donne les interventions, les adresses avec les codes des immeubles. Ça varie entre 4 et 6, ça dépend des interventions si elles sont longues. Dans mon métier, ce que j'aime, c'est quand l'eau revient, c'est vrai que les gens sont satisfaits, ils peuvent pas vivre sans eau. J'ai commencé par un CAP monteur installateur sanitaire. Ensuite, j'ai fait un CAP monteur installateur thermique. Et après, je suis parti en BP génie climatique et sanitaire. Je suis content le matin, quand je me lève, d'aller travailler. Plombier, c'est un beau métier, c'est un métier d'avenir, parce qu'on en aura toujours besoin.